Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, la préparation de la séance de vendredi, le bilan de la séance de jeudi, quelques idées de trade, le suivi de mon trade, les news. Je vous retrouve juste après ça. Et oui, 0,03% termine à l'équilibre difficile de, plus, de faire plus incertain qu'une clôture neutre. Hein. Euh, vous remarquerez que la, la neutralité euh, euh, n'apparaît pas euh, au milieu de nulle part, hein, puisque cette tendance à euh, cette journée neutre et, euh, apparaît sur un support important. Alors, avant de commencer avec ça, on va faire le point de ce qui s'est passé aujourd'hui sur les fondamentaux. L'idée c'est que euh, c'était une journée à, à haute tension, à, les, les risques étaient importants avec euh, des statistiques importantes que l'on attendait, notamment euh, la croissance américaine, mais pas seulement on attendait également la bce de, et le discours de madame lagarde. Alors si au début hein, le discours a été très très mal pris, euh, au fur et à mesure hein, les mots de, 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 Christine, de, de Christine Lagarde ont surassuré puisque elle a affirmé que la BCE ne resterait pas figée hein, face aux difficultés. Comprendre que euh, des mesures sont encore possibles, même si pour l'instant il n'y a rien sur la table. D'autre côté, l'économie américaine a rebondi de plus de 30 Bon alors ça, ça peut être impressionnant et c'est impressionnant hein, cette flexibilité. Mais ça fait écho à la baisse de près de 30% également avec le confinement. Donc, les choses sont en cours pour un, un rebond de l'activité, tout simplement. Et voilà où nous en sommes. Alors, vous remarquerez plusieurs choses. Tout d'abord, pour l'instant, le support mineur 4562-4570 tient. Vous voyez, c'était une zone ici qui a servi de résistance, qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. Et donc, effectivement, ça fait deux séances que les baissiers ne parviennent pas à casser ce support, qui correspond, on l'a vu également, à hein, manière absolument pas fortuite hein, avec un, un contact avec le bas du canal rouge ici hein, donc ça fait deux fois qu'on essaie de le casser mais deux fois qu'on le préserve ça c'est une bonne chose aussi à noter que pour l'instant le gap 4640 4724 n'a absolument pas été comblé donc ceux qui parient sur un gap de continuation peuvent toujours le faire il s'agit de prendre toute la distance parcourue avant le gap de le reporter par delà le gap ce qui donnerait comme euh, objectif théorique hein, les quatre 1376 correspondant à ce petit support ici donc ça fait sens hein. il y a aussi un gap ici hein. donc euh, voilà une attaque baissière n'est absolument pas à écarter à un moment ou un autre tant que euh, la résistance euh, constituée par le gap n'est pas comblée donc attention si vous êtes haussier à noter euh, également euh, au niveau des chandeliers japonais que on sait la première fois on a, on a, la première fois qu'on a un chandelier euh, neutre depuis pas mal de temps puisqu'on a vu une structure très baissière avec la ligne de séparation baissière c'était, je le répète, le 26 octobre on a suivi avec un, un grand maroubouzou un quasi un hein, baissier euh, qui a donné une très mauvaise entame de, de, de séance c'était dès le 28 octobre, on l'a vu hein, mais on avait expliqué hier que le fait que l'on ait une, une mèche basse plutôt longue montrait des rachats à bon compte et finalement la séance d'aujourd'hui ne fait que confirmer L'idée que les baissiers se demandent s'ils peuvent tirer plus du marché et on termine avec un doji, c'est-à-dire une grande bougie avec une mèche haute, une mèche basse et un corps quasiment inexistant qui montre que l'on a bataillé toute la séance pour finalement terminer comme on a ouvert, c'est un signe d'incertitude et euh, cela est à mettre en, en relation avec hein, tous les supports que l'on a. Euh, regardons les éléments purement techniques, à commencer par la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours, la moyenne mobile à 50 jours la M200 qui est de plus en plus suivie par les Français et enfin par les traders français et les bandes de Bollinger première des choses vous remarquez que la tendance de très long terme est fortement baissière puisque nous sommes en dessous de la M200 qui descend la tendance de fond est baissière aussi puisque nous sommes en dessous de la M50 qui descend la moyenne mobile à 20 jours descend donc la moyenne tendance générale est baissière et la M7 descend donc la tendance de court terme est baissière D'où ça c'est absolument baissier euh, mais ce qui m'intéresse c'est que euh, on a eu vous le savez un T1 c'est première clôture en dessous de la Bollinger inférieure, c'était le 27 octobre, un T2 avec le 28 octobre, une deuxième clôture en dessous de la Bollinger inférieure et un T3 maintenant le 29 octobre puisqu'on a une nouvelle clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'on a un double setup tradobule, c'est exceptionnel. C'est-à-dire non pas une mais deux bougies entières sans contact du tout avec la, la Bollinger inférieure. J'avais expliqué et j'ai tradé ça aujourd'hui. Que on avait euh, la possibilité d'envisager qu'à partir de là, on avait beaucoup plus de chances d'aller chercher la M7 que de ne pas le faire. Que dire d'un setup Trado Bull, d'un double setup Trado Bull Alors ça va être l'objet du backtest du jour. Euh, C'est exceptionnel, j'ai trouvé que quatre occurrences depuis la création du CAC 40, vous imaginez. Donc on va regarder ce qui se passe. Le pari étant que. Euh, on va alors, j'ai pas testé ceci pour que ça puisse être opératoire. Euh, bah, pareil, que se passe-t-il lorsqu'on a un double setup tradobule? L'idée c'est que on a plus de chances d'aller bien au-delà de la M7 que de clôturer significativement plus bas. Alors, significativement plus bas. Euh, ça veut dire pour moi euh, un stop loss euh, au niveau de la structure en double tradobule okay donc là, le, la, par exemple dans notre exemple ici la, 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 double structure, la structure en double setup tradobule c'est 2,85% je fais le pari que l'on aura bien au dessus de la M7 et en tout cas avant que d'aller euh, en dessous euh, à moins 2,8% c'est à dire la, la structure du double euh, tradobule ok donc c'est parti alors euh, j'insiste, hein, particulièrement ce coup-ci, vous savez que j'aime bien backtester, mais là, étant donné qu'on a eu que euh, 4 occurrences, ce n'est absolument pas euh, suffisant pour tirer des lois. Je m'excuse, excusez-moi pour le bruit de fond, hein. il y a des travaux euh, sur, euh, sur la voie publique, et donc c'est ça que vous entendez, hein. hier c'était le tonnerre, aujourd'hui c'est euh, les, euh, les tronçonneuses. Et alors voilà, première, première euh, occurrence ici. Voilà, double setup TradoBull, c'était en 2019, 1, 2. Et voyez, derrière, on est allé très, 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 très haut. Alors, je vais, je vais prendre le temps de détail, vu que j'ai un peu d'occurrence. Vous prenez toute la structure TradoBull, ça fait 1,55. OK, vous mettez un stop à 1,55, il n'est pas touché. Okay, et derrière, regardez jusqu'au... Enfin, est, est on n'est on est, on est pas revenu euh, avant, avant la grande crise, hein, c'est-à-dire qu'entre-temps... Non seulement bien sûr on allait chercher la M7, mais on allait chercher la M20, on allait chercher la bonne inférieure, et on a pris en tout euh, 17% avant de finalement euh, s'effondrer avec le Covid. Mais enfin bon, l'idée c'est qu'est-ce qu'on allait chercher la M7 Oui. Euh, regardez un autre exemple ici. Voilà, il est là. Donc ça remonte à février 2018. Structure en double setup Tradobul. Vous prenez la, euh, la taille de la structure, 4,48%. Vous mettez un stop large à 4,48%. Ça n'a pas été touché. Été touché. Et derrière, même là, hein, ça n'a pas été touché. Juste pour confirmation, vous voyez, 4,48%, ça nous amène un stop ici, hein, qui n'a pas du tout été touché. Et derrière, on, est, on, on a été chercher la M7. Mais si on n'était pas si on allait chercher la M20, il y a eu un reflux. Et après, on allait chercher la Bollinger supérieure, etc. Bref, là aussi, hein, au maximum de la structure. Euh, de LDF on a pris plus de 10% ce qui nous amène au troisième exemple qui est ici alors là, il est très très loin cet exemple il faut remonter des années des années en voilà il est là donc pareil hein, euh, on voit que ça a fonctionné très bien et là regardez jusqu'où on est monté hein globalement on allait chercher la M7, la M20, la Boinger supérieure plusieurs fois et ça a produit 65%. Je ne dis pas qu'il était possible d'aller chercher un gain de 65%, je vous dis simplement que voilà pour les plus patients, pour le moyen terme, il y a un point d'entrée qui est intéressant. Et le dernier, euh, la dernière occurrence, c'est un échec. Puisque vous voyez, si on prenait un stop loss égal à la structure euh, du, euh, du double setup, ça fait un stop à 6%. Bon, on a été déclenché, ça n'a pas fonctionné. Alors, j'insiste, on ne peut pas tirer. Il n'y a, a plus rien avant, en 88. Donc, j'insiste, hein, on ne peut pas tirer de, de, de conclusion par rapport à un setup qui a été backtesté 4 fois. Mais ce qui est sûr, c'est que parier sur l'inverse a encore moins de sens. Et en ce sens-là, vous voyez, il euh, y a peut-être un truc à tenter pour ceux qui veulent. Euh, ce qui nous amène pour l'instant, donc euh, après à, euh, aux autres indicateurs techniques. car le problème c'est qu'il n'y a absolument rien de bon. Hein. Regardez, hein, vous le voyez bien euh, RSI en dessous de 50, momentum euh, en dessous de euh, 0, négatif, MACD. Euh, négatif, enfin en dessous de son signal, MACD 0 en dessous de son signal, stochastique en dessous de son signal, CCI en dessous de moins 100, bref tout est pourri et surtout il n'y a aucun signe de euh, divergence haussière. Hein. Euh, et donc pour euh, terminer, je fais vite parce que je sais très bien que ça doit être difficile pour vous le, le bruit de fond là, donc euh, je ne vais pas abuser de votre concentration. Et euh, je vous invite à regarder l'Ishimoku qui dit plusieurs choses mais qui convergent dans le même sens, à savoir que la tendance elle est maintenant euh, baissière. Le nuage est descendant, la Tenkan est descendante, la Kijun est descendante, la Kijun est en dessous de la Tenkan, tenkan S'orienter à la baisse. Alors attention, il est probable que l'éloignement de, des cours à la Tenkan provoque un effet élastique, hein, c'est-à-dire une remontée. Est-ce qu'on va aller chercher la Tenkan et la Kijun Je ne sais pas, mais très souvent, hein, on ne s'éloigne pas impunément de la Tenkan, hein, puisqu'on y revient par un effet élastique hein, quand on s'en éloigne trop. Euh, D'ailleurs, ça constitue souvent pour les traders Ishimoku un point d'entrée. Euh, ce qui nous amène donc pour terminer à, au trade envisageable. Alors là franchement, bon moi je suis rentré là, hein, puisque j'avais dit que je le ferais. Euh, je dis toujours la veille ce que je fais le lendemain, comme ça c'est facile à non pas à reproduire, ça, je, surtout pas dire ça, mais à, à mettre tout le monde euh, d'accord sur la, sur la stratégie que j'adopte. Donc j'ai acheté, pas au plus bas malheureusement, hein, j'ai acheté sur l'ouverture sur sur à peu près ici. Donc j'ai un stop, j'avais expliqué hein, à peu près, euh, je, je crois qu'il est assez large mon stop, hein, je crois qu'il est à 1, 4485 je crois, voilà c'est ça. Donc j'ai un stop à mettons 1,87% et un objectif. Hein, je sais plus, j'ai marqué, marqué sur mon site où il est mon stop. Là, je ne me souviens plus parce que c'est pas le seul trade que j'ai pris. Mais en gros, en dessous, là, aux alentours de 4490, quelque chose comme ça. Et mon objectif, c'est euh, d'aller à l'intérieur du gap hein, dans un ratio gain-risque super 1,5. Euh, ouais, je sais plus. Enfin, c'est sur mon site. Hein. Mais mon stop, le plus important, c'est que mon stop-loss, -stop il est en dessous, là. Euh, Au-delà, si vous êtes aussi, bah vous pouvez faire ce que, ce que j'ai fait moi. Euh, vous pouvez également trader le setup double trade double. Pourquoi pas Donc là, je vous rappelle, l'idée, c'est que euh, voilà la hauteur de la structure qui est de, de 2,8%, mais le stop 2,8% en dessous. Voilà, le stop loss il est aux alentours de 4380, comme ça, ça laisse le temps à la situation de, de s'aggraver un petit peu. Et derrière, ben, pourquoi pas chercher un, à moyen terme euh, la, la M20, la Boyager supérieure, etc. etc. Euh, c'est pas ce que j'ai fait parce que c'est pas ce que j'avais dit que je ferais, mais si ça avait été aujourd'hui, peut-être que j'aurais fait ça. Euh, on termine donc avec les positions baissières. Alors, les positions baissières, je pense que le plus facile c'est de trader le gap de continuation. Hein. L'idée c'est d'attendre que ça remonte et euh, ou même pas hein, et, euh, parier sur le fait qu'on va euh, chercher cette distance, je l'ai expliqué, reporter en dessous de la ligne de coût, ça veut dire euh, en dessous du gap, c'est-à-dire 3300. Donc voilà, vous avez un ratio gain risque qui est très intéressant. Même en entrant maintenant, si vous mettez un stop loss à 3, à 4, à allez, 4% et que vous visez, voilà euh, bon, vous avez un ratio gain risque 1 pour 1. Mais si vous vous attendez que ça rebondit un peu, et eh bien vous avez un ratio gain risque encore plus intéressant. Voilà, encore désolé pour les bruits de fond. Euh, je vous invite également à marquer dans vos, dans vos agendas que euh, le 6 novembre, ce sera le 6, hein, pas le 3 ou le 4, j'interviendrai avec Alexandre Baradez et, euh, dans, un, dans, dans une conférence. En ligne, un webinaire spécial post-élection, voir comment le marché réagit. On va faire du technique, on va faire du fondamental. On peut confier confiance à Alexandre pour trouver des, des informations de tout, de tout premier ordre euh, et euh, qui permettront d'analyser la réaction euh, des marchés à l'élection américaine. Ce sera le 6, le 6 novembre, vendredi 6 novembre, 11h euh, du matin donc. Et euh, vous pouvez vous inscrire très bientôt, je mettrai le lien, mais gardez déjà ça à l'esprit. Euh, je pense qu'on a fait le tour, je vous souhaite une excellente journée et euh, je vous dis à demain pour la mise à jour.